Eh bien bonjour à tous les amis, c'est mon jumper. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça me donne nickel que l'étude aujourd'hui. Les amis, comme vous le voyez, on se retrouve une fois de plus pour la vidéo sur Brawl Stars. Et oui les amis, comme vous le savez, dernièrement, effectivement, je vous avais fait découvrir un petit peu mon petit jeu fort sympathique du moment qui est bien sûr Brawl Stars. Vous connaissez bien sûr ce jeu qui est très connu et on avait complètement kiffé justement jouer la fois dernière. Et vous avez complètement adoré vous aussi également mon premier épisode sur le Brawl Stars. Merci d'ailleurs énormément les amis pour tous vos retours en pouce bleu, en commentaire et en astuce. Merci énormément les amis. Et en plus de ça, comme vous le savez, je joue un petit peu bien sûr dans mon temps libre à Brawl Stars hors caméra bien sûr. Et j'ai débloqué les amis des nouveaux persos, mais on verra ça juste après. Alors aujourd'hui les amis, en bonus, je voulais vous offrir et plutôt partager avec vous la possibilité d'obtenir un perso et un skin gratuit. Comme vous le savez, moi je vous avais montré enfin un petit peu tous les persos et je vous avais montré qu'effectivement j'avais Bartaba. Voilà donc le petit robot qui jette des bouteilles. Comme vous le savez les amis, il est possible bien sûr de débloquer un petit skin fort sympathique et je vais vous montrer comment l'obtenir. Déjà d'une, le perso en lui-même gratuit, mais aussi également le skin. Alors peut-être que vous le savez déjà comment on l'obtient, mais je quand même vous l'offrir ce petit cadeau au cas où vous ne le savez pas. Voilà, donc du coup les amis, pour obtenir Bartaba gratuit et en plus de ça avec son skin le sorcier qui change même ses attaques et tout tellement c'est génial au niveau de ses apparences, il va vous falloir, c'est très simple, c'est gratuit les amis et c'est rapide, allez directement écoutez dans votre petit menu, j'ai envie de vous dire qu'il regardait tout en haut la petite maison, voilà, et après vous allez aller directement, donc si vous êtes dans le menu comme moi là, appuyez sur les trois petites links, vous savez en haut à droite comme ça, et vous allez vous connecter ici sur ce pinceau. Voilà, hein, donc bon, moi j'ai déjà fait, donc bon, je ne vais pas pouvoir vous le remontrer, mais en gros, quand vous allez aller ici, il va vous demander tout simplement de vous inscrire avec un Supercell, avec une adresse mail, hein, rien de plus simple, hein. En plus, vous allez juste recevoir un code juste derrière sur l'adresse mail que vous avez rentré, vous allez voir, c'est complètement gratuit, et une fois que c'est fait, et ben vous allez revenir dans le jeu, et les amis, vous allez obtenir Bartaba gratuitement, voilà, avec le skin et tout, hein. Je vous montrerai bien sûr un petit extrait au moment où je l'ai débloqué, comme ça, voilà, hein, vous avez la preuve, vous voyez mon nom est marqué en haut à gauche, pardon, donc voilà, vous avez la preuve que c'est full moi, voilà, c'est pur moi, voilà, c'est officiel, c'est gratuit et tout, voilà, donc, du coup, les amis, comme je vous l'ai dit, j'ai joué pas mal entre deux depuis la fin dernière, et du coup, regardez, vous allez voir que j'ai débloqué que dans les coffres, enfin, les persos, je les débloque que dans les coffres, bien sûr, mais aussi, bon, hein, vu que j'ai passé le rang 500, hein, forcément, j'ai débloqué, comme vous en doutiez, Jessie, hein, qui est bien sûr, pardon, la personne qui avec une petite tourelle fort sympathique où elle ressemble énormément, on est d'accord, à Penny. Sauf que bon, sa tourelle c'est plutôt un mortier qui tire de plus loin, alors que Penny c'est une tourelle, on va dire, un peu plus de plus proche. Vous voyez ce que je veux dire là, pas une longue distance de tir. Alors du coup, on va tester non seulement, bah écoutez, les nouveaux persos que j'ai débloqués, mais en plus de ça, je veux tester absolument dès maintenant le skin de Bartaba parce que je ne l'avais pas testé les amis. Et du coup, donc en plus de ça, on va récupérer un petit peu nos petites pièces par rapport aux événements. Voilà, le magasin, toujours y aller tous les jours, comme vous le savez, il y a, regardez, toujours quelque chose de gratuit. Bah là, on a une boîte. Ça serait bien d'avoir un perso, t'imagines? Qu'est-ce qu'on a? Des pièces, d'accord, des pièces de pouvoir et des points, enfin, des points de pouvoir, pardon. Et voilà, bon, c'est déjà plutôt pas mal et c'est gratuit, voilà. Donc du coup, alors, on va prendre, comme vous le savez, là j'ai mes jetons stars, donc les événements où on a besoin. Bah écoutez, il y a même ça, regardez, il faudra qu'on le teste. Ah, vu que c'est un événement qui reste très peu de temps à chaque fois, donc on laissera juste après. Mais d'abord, comme d'habitude, on va faire notre petit entraînement, hein, bien sûr, dans le Razia de Gem, qui est vraiment le mode de jeu le plus facile. Et je vous invite quand même à revoir la première vidéo que j'ai fait où j'ai présenté un petit peu tout, au cas où vous ne connaissez pas totalement le jeu, hein. Vraiment, ça sera plus simple. Voilà, donc, du coup, allez, c'est parti les amis, on y va. Oh, il est tellement stylé, regardez ça, quoi. Tu vois un petit peu ses attaques. Ah ouais, ça balance des petites flammes et tout. Regardez, ça c'est le Bartaba classique qui est en face de nous. Regardez, on le reconnaît tout de suite. Regardez, c'est pas du tout les mêmes effets. C'est tellement génial d'avoir un skin gratuit comme ça, quoi. Mais bon, on va pas se mentir, Bartaba, pardon, vous le savez, il est complètement pété, les amis. Il est totalement pété. Puis la fois dernière, on a fait tellement de top 1 en plus, quasiment avec tous les persos. Ok, j'en balance deux d'un coup. Voilà. Ok, ça se passe très bien pour le moment. Ok, attention la petite boule. En fait, voilà, il balance des boules de feu, quoi. En gros c'est ça, enfin eux doivent le voir rouge à mon avis. Ils doivent le voir rouge. Ça se passe très bien. Allez la petite boule. On récupère les gemmes comme d'hab. Ok, nickel. Le petit ult qui fait plaisir, voilà. Oh c'est tellement bon, j'adore ce jeu les amis. J'adore ce jeu. Ok, je vois qu'il y a une personne là, attends, on va lui jeter ça direct. Ça va la calmer, regardez, elle va venir là normalement. Ok c'est bon, nice. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Ok, oh ça se planque. Ça se planque, ça fait les fourbes. Ça fait les fourbes. Voilà, c'est bon. Compte à rebours, nickel. Ok.
Je crois qu'on a perdu un pote qui avait tous les gemmes. Alors je vais éviter de perdre mes gemmes. Oh là là. On balance là-dedans. Attention, ça balance la sauce. Je sais pas si j'ai touché. Oh, on m'a eu. Oh, bien joué. Ah, c'était bon, mais bon, ça va. J'ai perdu mes gemmes au spawn. C'est d'ailleurs une technique vraiment. C'est. Attends, j'ai eu quelqu'un. Alors j'étais mort depuis au moins deux secondes. J'allais dire vraiment, c'est quand vous avez plein de gemmes, restez au spawn. Vraiment. Comme ça, vos potes peuvent vous défendre. Surtout si vous réapparaissez. Ok, ça se passe bien. On a un bar tabac à droite. Attention. Ouh, non, pas aimé. Oh, yes, c'est bon, bien joué. Bien joué. Ouh, le bar tabac, c'est terrible. Parce que tu regardes pas forcément où tu marches. Yes, c'est bon. Oh là là. Et un peu plus, on se faisait avoir. Et ben voilà. Première victoire. Premier match. Nickel. Elle est vraiment classe. Franchement, je suis très content de ce skin. Bon, moi, je l'avais déjà eu le perso gratuit. Donc, bon. Voilà, c'était pas non plus exceptionnel pour moi. Enfin si, le skin est quand même très très beau. Mais pour vous, si vous avez même pas le perso, alors là, ça va être complètement tiffant. Voilà, donc moi, bon, je suis que niveau 600. Bon, ça va monter avec le temps, bien sûr. Mais regardez, voilà, j'ai eu Jesse qui était juste ici. Et là, le prochain à débloquer, il me semble que, voilà, c'était Brock qui a un lance-patate. Incroyable, et du coup, bon, on va tester. Alors, un autre perso que je ne vous avais pas montré à fois rien. Il me semble que Bull, on l'avait. Il était vraiment très bien, ouais, je me rappelle de Bull, on avait fait plein de top. Hein. Donc on va prendre Jesse et on va prendre justement. On va tester l'event, tiens. Le robot à gogo. Voilà, je vous rappelle, il faut un ticket. Mais honnêtement, on a toujours beaucoup trop de tickets par rapport au nombre de fois où on peut jouer. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Donc là, je vous rappelle que dans les events, alors ça, on l'avait pas vu la fois dernière, on joue que contre des bots. Et là, c'est le cas de le dire. Voilà, il faut défendre un contrefort de robots qui vont arriver. Ok, pour l'instant. Y'a personne. Ah, ils arrivent. Ok, ils arrivent. Alors, du coup, au niveau des attaques de Jesse, en fait, elle balance une espèce de petite boule électrique, électromagnétique, pourquoi pas. En fait, il peut rebondir sur d'autres adversaires quand elle touche quelque chose. Mais attention, pas quand elle touche un mur. C'est vraiment quand elle touche, regardez, un ennemi, voilà, vous voyez que. Voilà, là, ça envoie une petite boule d'énergie. Je me demande si ça revient pas vers Jesse d'ailleurs. Je me pose la question. Attends, faut voir. Eh non, même pas. Non, non, c'est vraiment au pif. Ok. Oh là là, ouais, ils sont balèzes. Attention! Un robot tank. Ok, nickel. Lui là-bas c'est pareil. Voilà la même. Ok, nickel. D'ailleurs le perso qui est là, je l'ai débloqué aussi également. Le petit robot au bas, le rebondissant. Ils ont toujours des noms qui ressemblent beaucoup avec leur personnage, c'est que j'adore le jeu. Ok, ça se passe bien, vague numéro 5. Jusqu'à combien de temps on va survivre? That is the question. Bon, j'ai hâte d'avoir ma tourelle quand même. Je tiens à le dire. Voilà, c'est bon, allez, en plus on va pouvoir mettre la tourelle ici. Ça va être vraiment impeccable. Allez, la petite boule, bam. La même là. Voilà, allez, allez. Faut tenir le coffre. On va mettre une tourelle ici, regardez. Voilà. Oh là là, je vais y passer. Ok, c'est bon, regardez la tourelle, comment elle tire. Regardez cette tourelle. Elle est géniale. Date tourelle. Elle fait vraiment trop mal. Et en plus, ça peut faire remonter l'ulti, quoi. Comme ça, on peut la rebalancer au cas où elle est pétée. Oh, il y a un boss. Oh, oh, le boss. Oh, le boss. Ok, le boss. Allez, on balance la sauce. On balance la sauce. Oh, par contre, toi, le lance-roquette là. Ça fait mal. Faut l'envoyer sur la tourelle. Allez, la tourelle, allez, tire la tourelle, oui. Bombarde. Alors, bien sûr, la munition à finir, vous en doutez. Ok, ça va, il est sur le coffre. C'était pas le bon plan, même. C'était pas du tout le bon plan, mais bon, au moins. Attends, je relance une tourelle. C'est parti. Faut pas mourir, faut pas que je meure. Faut pas que je meure. Oh, elle est trop loin, la tourelle. Elle est trop loin du boss. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bon. Nickel. Ok, ça se passe bien. Oh là là, moi, je vais y passer. Hein. C'est obligé. Bon, ça va, on est vague 10 quand même. On est vague 10. C'est plutôt pas mal. Alors lui il a balancé son nul dans le vent un petit peu je trouve, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Alors j'essaye de garder mes boules surtout quand ils sont proches. Hop, la petite tourelle qui fait plaisir. Allez la tourelle, tire. Voilà la tankée. Voilà celle qui a pris. Oh là on est vague 12. Oh les amis, ça y est, le coffre il va pas tenir. Il va pas tenir. Ça va être chaud. Faut qu'il vienne sur moi, il faut qu'il vienne sur moi et pas sur, sur le coffre. Ah il va m'avoir, il va m'avoir. Oh non, il a lâché l'affaire. Ah ça va être terrible les amis, et voilà, yes. Eh franchement, je crois qu'on va avoir le jeu de ton star. Il me semble, ouais bah c'est bon. On a survécu pendant 2 minutes et 34 secondes, ce qui est pas mal. Ah ouais, là forcément là ça monte. Plus vous allez tenir, plus vous allez gagner. Est-ce qu'on va... ouais on a gagné le jeu de ton star, nice. Nice. Oh yes. Ah trop cool, trop cool. Et bah écoutez les amis, on va changer de perso. Je vais ouvrir le coffre, allez vas-y dès maintenant. Ok, des pièces, des points de pouvoir, ça roule. Et des gemmes, oh cool. Et du coup on va prendre un autre perso. Alors normalement il y en a deux que vous avez pas vu, c'était Ricochet.
et Baril. Voilà, et Daryl, pardon. Oui, ça ressemble beaucoup à Baril, c'est pour ça. Donc, mon préféré entre eux, c'est clairement Ricochet. Hein, vous devinez très bien son attaque. Hein, son attaque de base, c'est simplement qu'il peut balancer des balles qui vont rebondir, bien sûr, contre les murs. Et son ulti, c'est un peu la même chose, sauf que c'est des balles beaucoup plus puissantes. Et Daryl, donc, lui, par contre, c'est un petit peu comme Bull. Hein, c'est son uniquement des fusils à pompe en attaque de base. Mais par contre, il peut tout simplement pousser ses adversaires en rebondissant contre les murs. Donc, c'est en Bull, mais en mode je rebondis. Voilà, du coup, les gens, on a pris Ricochet. C'est parti pour le mode millefeuille. Donc, normalement, c'est une prime. Je vous rappelle, c'est de faire le maximum de kills dans la game. Et évitez aussi de se faire avoir, surtout si vous êtes un petit peu le, comment dire, le numéro 1 en kill. Voilà, pour éviter de donner vos étoiles. Oh, il y a des persos que j'avais jamais vu là. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. En plus, les maps changent à chaque fois. Hein. Le mode de jeu, peut-être pas. Alors, regardez, vous voyez, regardez, mes balles, regardez, peuvent vraiment rebondir de partout. Alors, bon, comme d'hab, moi j'utilise un petit peu l'auto-attaque. Parce qu'elle est vraiment bien pétée quand même pour le coup. Ok, je viens de me faire avoir. Mais bon, c'est pas grave. On domine. Voilà, et mon ulti, qui est génial. Qui va beaucoup plus loin. Et regardez, je peux faire un système pour rebondir. Oh, lui va tout prendre. Oh, il a tout pris. Oh, il a pris. Oh, il a pris. Oh, il a pris. Alors, c'est génial, surtout si vous n'arrivez pas à viser correctement avec la chance. On peut toucher une autre personne. Par contre, là, ils sont balèzes. Oh là là. Ah, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des adversaires comme ça. Voilà, allez. Allez, yes, c'est bon, je vais. Ok. Ok, j'ai sauvé l'honneur. J'ai sauvé l'honneur. Regarde, prends ça. Eh oui, ça rebondit, mon gars. Il s'y attendait pas, je crois, à mon avis. Oh, par contre, lui, il fait vraiment mal. Oh, il m'avait stun et tout. Waouh, lui, il est bon, là. On a un bon en face, là. Ok, c'est bon, il s'y fait avoir. Ok, vite. Faut que je remonte. Attendez, on va attendre qu'ils arrivent en masse. Ouais. Allez. Oh là là. Oh, ça enchaîne cette ulti. Oh my god. Oh, bah, attendez, le grand revient. Allez, allez, ça tire, ça tire. Ça tire. Ça tire. Oh là là. Oh là, ça s'arrête plus. Ok, il est là. Il peut m'avoir. Ouais, c'est bon, il m'a eu, mais bon, c'est pas grave. On est à 35-125. Mais ils peuvent remonter. Ouais, t'inquiète. Ok, ils sont où? Il est là-haut. Ça pète les murs. Ça tire. Ok. Attention quand même, pas se faire avoir, les gars. Ils foncent trop, en fait. À un moment, les gens prennent trop la confiance. Ok. Oh, c'était sûr, ça. Mais non, t'aurais pas dû. Oh, il est là, lui. Oh, tu vas prendre tellement cher. Oh là là. Ah, ça y est. C'est la victoire. Et le dernier kill, oui. Oh là là, c'est bon. C'est marrant, il a un peu la même tête que Bartaba, d'ailleurs. Yes. Joueur star. Ah, super. Ouais, il est vraiment génial. J'adore Ricochet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, les amis, dans les commentaires, quel est votre perso favori. D'ailleurs, ça m'intéresse. Ok, donc voilà, bah ça c'est bon. Allez hop, le petit coffre qui va faire plaisir, les trophées qui montent. Voilà, alors attention. Et en vrai, si je jouais tout le temps, je serais déjà niveau 1500. Hein. Ok, le petit super coffre. D'accord. Ok, ouais, super, on va pouvoir améliorer Bartaba, je crois. Ah non, c'est Ricochet. Ah bah super, ça tombe bien. Voilà. Ok, un niveau supplémentaire. Maintenant, on va prendre Daryl, les amis, et on va partir comme d'hab en dune glissante. Et on va partir en duo, comme vous le savez, c'est un petit peu le mode Battle Royale. Et j'adore le faire en duo. Voilà, donc si jamais je tombe avec vous, c'est encore plus cool. Effectivement. Alors, du coup, on va voir un petit peu. Ah ah. J'ai pas vu, j'étais avec qui? Ah, je suis avec Jesse. Cool. Alors voilà, donc le perso Daryl, voilà, double pompe. Très pratique. Voilà, avec l'air, vous allez voir les petites caisses d'énergie qui se partagent, hein, bien sûr. Et qui nous donnent, bien sûr, beaucoup plus de points de vie. Oh, je crois qu'à l'AFK. Oh, ça pue ça. Oh, ça pue. C'est quoi ça? Ça va péter ou quoi? Oh. Il se passe quoi? Y'a quelqu'un là ou pas? Non, c'est bon, y'a personne. Tiens, doucement. On check. Ah, par contre, j'ai une courte portée, hein, donc faut vraiment que je me fie. Et l'ulti, regardez, voilà, c'est un peu le mode. Je rebondis! Et j'enchaîne. Voilà, comme ça. Ah, si, attendez pas ça, hein. Alors, bon, je vous rappelle que en duo, bien sûr, vous avez un respawn. Au cas où, bien sûr, votre collègue est mort. Bon, si vous êtes tous les deux morts, c'est foutu. Bon, il reste trois équipes. Par contre, Jessie là-haut, là, elle joue pas beaucoup, hein. Je me sens un peu solo, mais bon, c'est pas grave. Elle a peur. Je la couvre. Ah, attention, là. Il y a le mode de jeu missile, là. Oh non, c'est pas missile, c'est des robots. Oh, j'avais pas fait gaffe. Oh, le délire. Oh. Non, mais lui, il faut que je le ramène au mid, en fait. Oh, ça va être chaud, là, avec la tempête, là. Oh, je suis passé. Oh, j'aurais bien l'enchaîner, là, mais c'est pas le bon. Oh, c'est pas le bon move, là. C'est pas le bon move du tout. Je sais pas s'il lance de... J'avais jamais vu, en fait, ce robot-là, en plus, en Battle Royale. Je sais pas s'il va changer de perso.
Ah, ça va être terrible. Ah, ça va être terrible. Faut que je roule. Allez, faut que je roule. Ouais, j'avais pas le choix. Sinon, j'étais dead. Ah, je tire. Non, passe au robot, passe au robot. Ah, ouais, là, l'auto-attaque, il est pas cool. Oh my god. Faut que j'arrive à débloquer ma boule. Faut que j'arrive à débloquer ma boule. Oh my god. Ça pue. Yeah, c'est bon, il tire sur le robot. Ouais, c'est bon. Le robot qui fait office de bouclier. Ça se passe bien. Oh my god. On va se faire avoir. Oh super, il est dessus, il est dessus. Ah là, j'en finis. Ah, je le finis, oui. Ok, alors j'ai plus de vie, par contre, faut que je régène. Jesse, attends, faut que je régène. Oh. J'ai rien dit. Attends, je vais aller là. Ah, c'est pas bon avec la toile, mais bon. Yeah, c'est bon. Ok, bien joué. Bien sûr, il est mort. Ok, il y a le robot qui est sur lui. Il y a le robot qui est sur lui. On y va, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Oh ouais, c'est bon. Et de 1, je prends tous les trucs. Ouais, yes. Oh là 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 là. Première game de Battle Royale. Top 1 direct, les amis. Oh, on a géré. J'avais pas vu les vents avec les robots. Je l'avais pas vu, quoi. Oh yes. Un plaisir, les amis. Un vrai plaisir. Et hop. Ça va dans la poche, les gemmes. Oh, génial. Génial. Voilà, bon, après, je suis pas spécialement fan de lui, mais j'avoue que il est quand même assez sympa. Allez, du coup, les amis, pour le fun, on va se refaire un petit game avec Bartaba et on va partir. Allez, on va le tenter en Battle Royale. J'aime bien. Ça fait longtemps en plus que je l'ai pas joué en Battle Royale, donc du coup, là, ça sera l'occasion. L'occasion totale. Ok. Attention, attention. Ok. Oh, je suis avec El Costo. El Famoso Costo. Ok, ça se passe bien. Ouais, Bartaba en plus sur les caisses, il est abusé. En fait, c'est vraiment un des meilleurs persos. Dire qu'on peut l'avoir gratuit maintenant. Du coup, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit en début de vidéo, les gens. Si vous ne le savez pas, ok, nickel. Allez, la caisse, elle costaud là, oh. Tu as pris pour quoi là, eh. Ok, oh là là. Oh là là. Oh, oh là, mal. Oh là, terriblement mal. On le finit ou pas? Ah, on va pas le finir. Par contre, toi, tu passeras pas. Oh là, mal. Regarde comme ça, regarde ça, la boule. Oh là là. Vous avez vu, je vous l'avais prévu, hein. 3 secondes avant que ça arrive, j'avais prévu d'envoyer la boule sur lui. J'adore ce perso, j'adore ce jeu, les gens. Je sens que j'ai du skill. Je me permets. Ok. Tac. Voilà. Attends, il y a. Oh, attends, Jesse, elle bouge pas là-haut. En vrai, c'est vrai que c'est bien pratique de viser avec. Ça va être le seul à qui je vise correctement. Ok, elle est là. Elle est là. Ils sont là, ils sont là. Ok, ils sont là, ils sont là. Oh my god, ouais. Tu vois. Regardez Jesse là-bas. Elle va aller dedans, non ou pas? Attendez, je vais essayer de l'encercler. Ah, va attendre que son pote s'y reste. Ouais, bah moi, c'est ce que je ferai aussi. Hein. Chacun de son côté. Chacun du côté. Il y a un moment, tu vas être coincé, Jesse. Ah, va voir son pote qui va revenir. Il y a son pote qui revient. Terrible, nous, on va se taper le robot. Non, 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 non. Ah, tu te barres pas. Ah, oh, je l'ai eu. Notre pote est mort ou pas? Ah, notre pote est mort. Ok, oh c'est chaud, j'arrive à la viser. Ah bah, ah non, non, ah bah, ah, j'ai pensé qu'elle allait être dedans. Ah terrible, c'est bon, le coéquipier arrive. Ah j'ai le robot, aux fesses. Ah terrible. Ok. Oh y'a Chelou. Je l'ai géré. Allez, y'a le costaud, à toi de jouer là. Ah bah elle est dessus, regardez. Bam. Encore un coup. Yes. Top 1. Eh ouais, les amis. On est les famoso El Costo. Et ben voilà. Au calme, comme on dit. Tranquille. Et voilà la petite caisse qui va faire plaisir. Génial. Ah ouais, en plus, regardez, il y avait l'event en fait. C'était marqué avec le petit carré là. Ok, super. Et ben voilà. Génial, c'était génial. Et ben voilà, bien écoutez, les amis, on va du coup s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Brawl Stars. J'espère en tout cas, les amis, que cette petite astuce que je vous ai donnée en début de vidéo va énormément vous aider. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager à toutes les personnes que vous connaissez qui jouent à Brawl Stars et qui n'a pas encore Bartaba ou encore même le propre skin de Bartaba. Incroyable sorcier. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé cette astuce dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel est votre perso préféré. Dites-moi si vous souhaitez encore avoir une fois de plus du Brawl Stars. Ça serait bien sûr avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, les amis, également de vous abonner à la chaîne principale et à cette chaîne-là, la chaîne secondaire. Et je vous dis à très bientôt, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. Ciao.